nouvelle vidéo, t'as touché le. Laisse ta manette qui, c'est narcotag, narcotag. Laisse ta manette qui, narcotag, narcotag. Eh bien, salut à tous et à toutes, ici Narcotag. Bienvenue pour cet épisode numéro 9 de Feed the Punk. Bon, on va faire un petit tour des nouveautés ajoutées. Alors, figurez-vous qu'il n'y a pas grand chose. Mais on a fait des petits trucs qui sont quand même pas mal utiles. Je suis désolé d'avance pour les lags. Je vous explique le pourquoi du comment, tout ça, juste après. Et aussi pour le chargement des chunks et tout, c'est vrai que c'est un petit peu le bordel de l'infini. Donc déjà, dans un premier temps, vous pouvez le voir, le cube d'AutoCraft, donc la construction multibloc, ME assembleur, tout ça. Je l'ai bien agrandi de façon à accélérer considérablement la vitesse des AutoCraft, parce que c'est vrai qu'on avait quand même des petits soucis de vitesse. Alors là, il y a un cochon, bonjour, je sais pas pourquoi. Alors là, lui est toujours en train de faire du Yellorium, tout ça. On va regarder directement qu'est-ce qu'on alimente. Alors voilà, ça lag. Hein. Donc, plus de 172 assembleurs complètement wall, 670 hit 20 et attention, 769 crafting CPU pour seulement 6 pattern provider. Parce que pour l'instant, de 6 pages d'AutoCraft, on en a largement assez. Donc, voilà, j'ai agrandi ça de façon à avoir plus de rapidité dans les AutoCraft. Donc là, vous avez certainement dû le voir, ça, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le capacitor bank, hein, qui, à ma foi, bah, il monte. Pourquoi il monte jusqu'en haut? Je vais vous montrer. Parce qu'ici, on a mis un laser drill que notre ami, oula, Frandex s'est occupé de mettre. Alors, ne pas passer dans les lasers parce que ça pique. Un under chest qui récupère directement les items. Et donc le laser drill qui récupère un peu tout. On n'a pas mis de focus pour l'instant. Ça récupère vraiment un peu tout. Donc dès que le work arrive à 300, on va vite faire regarder dans l'under chest qu'est-ce qui arrive comme minerai. Hop, on l'a vu vite fait. Je crois que c'était un truc de nether brick. Bref, voilà, ça prend un peu tout et n'importe quoi. A savoir qu'on peut mettre donc des focus ici, avec par exemple jaune, ça prend que les trucs jaunes, du bleu, du... Enfin voilà, un petit peu tout aléatoirement. Et donc ça, c'est directement alimenté, non pas par des câbles, mais directement par le capacitor bank qui est relié ici. Donc voilà, concrètement, au moins l'énergie est au plus haut maximum. Oula, petit lag. Donc pas de problème d'énergie. Aïe. Ça pique, je me suis pris certainement un coup de laser drill. Donc là, voilà, il faut que ça arrive directement de là. Vous voyez, on a des petits bugs hein, sur tous les lasers. Ça arrive ici, en fait, ça génère sur le sol un bloc qui va être directement cassé. Donc là, normalement, ça le génère ici, ça le casse. Bon, on le verra pas se produire, hein, il me semble. Mais voilà, il faut que ça touche directement la bedrock. Hein. À savoir pour le laser drill. Donc le laser drill marche avec un laser drill et des préchargeurs qui vont donc le charger. Donc là on a assez d'énergie, on peut mettre 4 préchargeurs, et encore j'ai l'impression que cela ne marche pas, regardez, ils sont pas rouges, normalement il faut qu'ils soient rouges comme ça, ça veut dire qu'ils marchent, mais cela, regardez, il y a d'énergie quand même hein, dedans, mais pas beaucoup, là pas beaucoup, et eux par contre ils sont full, hein. Donc je sais pas pourquoi, pourtant, alors attendez, hop, ouais c'est tout bon, hein. Ah, donc là, comme vous pouvez le constater, on lag pas. C'est parce qu'il y a juste un bug serveur, peut-être, je sais pas. Il y a de plus en plus de lag serveur. Malheureusement, ça, on ne peut absolument rien y faire. C'est très embêtant. Mais c'est comme ça. Voilà. Alors, laser drill, augmentation de la taille du ME, machin. Et, alors, ici, ah, c'est vrai que là, qu'est-ce qu'il a rajouté ici? C'est que les 64. Donc ça va, on a encore un petit peu de place, on s'en tire bien. Et alors ici, ah ah, pourquoi on a 3 comme ça et là 2 comme ça? Tout d'abord les 3 là, bim! Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Il s'agit de ME 16 Mega Storage. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est du mode Extra Cell. Alors il s'avère que en storage, je sais pas si je vous l'avais déjà dit en plus, si ça se trouve je vous l'ai déjà dit, je me répète, je suis désolé.
Et si, mais je vous l'ai déjà dit, il me semble. Hein. Donc là, voilà, c'est les trucs storage de Applied Energetic. Et on peut aussi créer ces trucs-là de extracelles qu'on transforme ensuite en ces disquettes-là qu'on peut insérer à l'intérieur. Donc ici, c'est du storage normal. Et ici, on en a deux. C'est du fluide storage pour stocker du fluide. Et donc, le fluide, on peut y avoir accès via ce moniteur-là. Le... oula, pardon, excusez-moi, tac, tac, tac. Le ME fluide terminal. Donc là, on n'a rien. Parce qu'on a quelques problèmes. Ça ne veut absolument pas se stocker. Pourquoi? Comment? Le mystère de l'inconnu, les amis. Donc ici, c'est toujours la même chose. D'ailleurs, est-ce que ça a bien marché pour 525? J'ai l'impression que notre production d'iridium est stoppée. Et regardez, on est full. Là, ça doit être à 100%. Ah, petit lag serveur encore une fois. Bon bah voilà, hein, il faut bien qu'il y en ait tout le temps. Ces trucs sont pleins. Pourquoi ça marche pas? Fuck! Bon, c'est pas grave. Ou alors c'est le lag serveur qui fait que pouf, on voit rien. Parce que là, on a concrètement un lag serveur. Et oui, on a de plus en plus de lag serveur. Je vais vous expliquer pourquoi. Oh! Eh ben magnifique. Hop, on se reconnecte, hein, pas de souci. Ça risque de faire ça assez souvent, malheureusement. Ça le fait bah maintenant, tout le temps. Je vais vous expliquer du coup pourquoi ça fait ça, le temps que ça charge un petit peu. Il s'avère qu'il n'y a plus d'entretien sur le serveur. L'Otux, donc le boss, le modérateur du serveur, ne l'entretient plus du tout. Parce que tout simplement, il n'a pas le temps, les amis. Il a d'autres occupations avec les cours, tout ça, tout ça. Il ne peut plus s'occuper du serveur. Donc, ce qui fait que la date butoir de résiliation donc, du serveur est au 16 novembre. Le jour où je tourne cette vidéo, nous sommes le 12 novembre. Vous n'avez à ce jour toujours pas vu l'épisode 8. Donc là, on en est à l'épisode 9. Donc, normalement, vous verrez cette vidéo, pas de suite, mais bon, bientôt. Et donc, quand vous verrez cette vidéo, certainement, ce sera déjà terminé, hein, le serveur. Et donc, du coup, il n'y a plus d'entretien, donc il y a rien qui fait que pour améliorer le serveur, quoi. Donc, malheureusement, comme vous l'avez compris, cette série touche à sa fin. Et oui, je suis désolé. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Donc ici, on a quand même rajouté des petits trucs pour faire marcher le réacteur. Donc là, on a toujours de l'or. On a presque 1 million d'or. Wouh, c'est n'importe quoi. Ici, c'est le quartz, la redstone. Et ici on a des creepers. Et ici on a du coal. Donc il nous reste 3 champs. Donc les creepers, pourquoi? C'est pour avoir donc la poudre de creeper. Donc vous avez vu, j'ai toujours pas eu pris la peine de mettre les monitors. J'ai vraiment pas pu me connecter beaucoup beaucoup actuellement. J'ai eu beaucoup de trucs avec la vidéo fantôme, la vidéo cuisine, la vidéo du Hero Festival. Vous allez avoir un point sur la chaîne numéro 3 très bientôt. Et plus tout ce que j'ai à faire, c'est vrai que actuellement, j'ai pas eu beaucoup de temps pour tourner tout ça. Donc, alors, ici, qu'est-ce qui se trouve? Il se trouve qu'ici, on a une salle, une grande salle de spawner à creeper. Donc là, on n'a plus de mobescence. Mais actuellement, ça spawn. Sinon, quand il y a de la mobescence, ça spawn beaucoup, 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 beaucoup. Hein, mais vraiment beaucoup, quoi. On a 4 auto-spawners qui marchent à fond. J'ai mis les torches, mais ça bouffe beaucoup trop vite. Et ici, bon bah voilà, ici c'est vide. On pouvait stocker la mob essence, tout ça, tout ça. Et cette mob essence sert en fait pour faire... On va retourner là-bas. Du sulfure. Putain, regardez, les tubes sont pleins de humateurs. C'est n'importe quoi. Hop, hop, hop. Et ici, voilà, ici, je crois que c'est là. Non, c'est pas là. C'est ici. On produit ici du sulfure, je crois qu'avec de précision, on a voilà, de la gunpowder pour faire du sulfure. Et ce sulfure sert à alimenter notre réacteur. Alors ici, du coup, on avait mis des machines pour faire les trucs de redstone. Ici, le coal, c'est ça? Non, je sais pas c'est quoi. Gunpowder, pardon. Pour le sulfure. Et donc, bon, on n'a pas agrandi la pièce. Pour l'instant, ça reste comme ça. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, le serveur... Waouh, waouh, waouh. Le chargement a du mal, hein. C'est vrai qu'ici c'est un petit peu la guerre, hein. Waouh, waouh, waouh. Hop, donc on va retourner derrière pour vous dire que qu'est-ce que c'est que ça. Alors ici j'avais commencé à faire mon hors processing
quintuplateur pour quintupler tous les items. Donc je n'ai pas terminé, il manquait tout là ou là. La torche, il manquait toute une zone à quintupler. Ouah, j'ai plein de trucs de sur moi de style et tout. Mais j'ai pas eu le temps de le faire et je pense que je le ferai pas du coup vu la fin qui s'approche rapidement de ce serveur. Donc comment ça marche? Ici, vous le connaissez, c'est l'énergie de smelter qui cuit un iron, par exemple, un iron ore qui le fait cuire. Et boum. Ah, d'ailleurs, j'ai même pas mis les couleurs ici. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a rien qui arrive dedans. C'est un stand-by. J'ai pas de rouge, c'est pas grave. Donc ici, ça le cuit. Ça en fait 1. Donc tier 1. Tier 2. L'enrichissement chamber. Donc, ça fait cuire un truc. Bim. Enfin, ça l'enrichit, ça fait 2 poudres. 2 poudres qui sont envoyées là et donc qui en font cuire 4. Enfin, 2. Donc, on en a 2. Tier 1, tier 2. Tier 3. Le crusher. Attendez que je dise pas de bêtises. D'ailleurs, ici, pourquoi c'est pas relié? C'est pas grave. Un lag serveur. Tout va bien. Alors, attendez que je dise pas de bêtises. Non, je crois que ici, c'est le tier 2. Le tier 2, oui. Le tier 2, c'est ces deux trucs-là. Je sais plus. Bon, bref, le crusher qui va, on va dire, doubler. Ça va le faire cuire dans ça pour pouvoir le faire cuire dans ça. Ça en fait 2. Tier 3, c'est juste l'enrichissement chamber, il me semble. Qui va marcher avec de l'oxygène produit par l'électrolyte séparateur. Hein. Donc, dessous, hop, on le voit pas très bien, mais il y a de l'eau. Voilà, et ça pompe. Et ça arrive là-dedans par ces mechanical pipes. Donc le serveur se va encore replanter, je suis sûr. Et donc il produit de l'oxygène et qui fout l'oxygène à l'intérieur. Voilà, l'oxygène. Et donc qui va tripler. Ça va refaire ça, ça va repasser dans ça, ça va repasser dans ça. Et ça va faire 3 items. Tier 3. Et tier 4. Alors on a une chemical injection chamber. Pour qu'elle fonctionne, il lui faut de l'hydrogène chloride. Pour faire ça, il nous faut un chemical infuseur qui prend de l'hydrogène et du brine. Donc là, du brine, il n'y en a pas. Je sais pas pourquoi. Bref, c'est pas grave. Donc l'oxygène, l'hydrogène, on le récupère ici. L'oxygène va là et l'hydrogène, ça ne servait à rien. On le dumpait. Donc du coup, bim, on le fait arriver là-dedans. Et pour le brine se produit ici. Tiens, d'ailleurs, pourquoi elle part pas? Ça doit être branché du mauvais côté ou alors, tout simplement, il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'énergie. Pourtant, c'est bien relié. Dessous, ça doit être cassé. Ouais, regardez, c'est pas relié. Donc, tiens, est-ce que j'ai des câbles pour le faire ça rapidement? Est-ce que je peux poser un truc? Alors, on va essayer de passer dessous. Malheureusement, je crois que on va tout péter. Youpi! Oh. Oh. Hop, hop, hop. Ah, voilà, ça arrive ici, il me semble, regardez. Ça arrive ici, mais c'est connecté à rien. Hop, donc ça, on n'en a pas besoin. Hop, là. Ah, là on entend des trucs qui marchent, ça fait du bruit. Ouh, regardez. Donc là, le brine qui rentre, qui produit de l'hydrogène, du coup. Voilà, l'hydrogène passe là-dedans. Ah, petit bug, bon, comme d'hab, c'est pas grave. Ça risque de faire planter le serveur encore une fois, mamma mia. Alors, tac, tac, qui passe ici et qui produit donc de l'hydrogène chloride. Hein, voilà. Et alors, comment on produit du brine, vous allez me dire? Avec cette salination chamber, on va dire ça comme ça, donc d'une taille maximum de 18, donc là 4 à la base, 18 en hauteur, alimenté par les solar panels, et ah, et voilà, serveur, serveur, tu nous saoules. En plus il y a bientôt un restart du serveur, il me semble, ou alors il a déjà eu lieu à 15h, et il est 15h35, donc je ne sais pas. Donc, je te disais la salination chamber qui est alimentée par ces panneaux solaires, ces gros panneaux solaires. Voilà. Et dont on peut voir les caractéristiques. Hop hop hop. Allez, tu peux le faire, petit serveur. Marche. Donc ce n'est pas mon ordinateur hein, qui fait bugger tout ça, vous inquiétez pas, mon ordinateur va très bien. C'est le serveur. Hein. Et ici, alors, j'aimerais bien tomber là. Voilà. Comme ça, je peux accéder à ce bloc-là, qui est un bloc spécial, et on peut voir justement la production de brine là qui s'en va vers l'infini et l'au-delà, et il y a de l'eau dans cette salination, ouais, salination plante, voilà, et ça c'est l'énergie. Alors comment on fait rentrer de l'eau dedans? C'est tout simple, donc là c'est les salinations blocs,
On peut tout voir ici avec un salination contrôleur, voilà, on l'a vu vite fait. J'ai pu voir les noms. Ici, les blocs ne sont pas replacés, c'est pas très grave. Hop, 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 hop. Bim, bim. Et alors, pas derrière, on peut accéder ici. Hop, hop. Voilà, donc ici, on a juste des pompes, j'en ai mis deux. On peut en mettre quatre, mais deux, c'est bien. Avec des mechanical pipes, et ici, c'est pas des salinations blocs, c'est des salinations valves. Il y a un petit trou au milieu, on peut le voir. Et l'eau rentre dedans. Tout simplement, et ça alimenté avec tout qui est tiré par derrière. Donc voilà pour la salination plante. Hop, hop, on répare tout ça. Et donc ça, ça produit du brine. Et regardez, ça se voit que il y a de moins en moins de brine. Et donc voilà, ça passe dedans, ça produit de l'hydrogène. Et l'hydrogène qui va dans le chemical infuseur. Et qui avec de l'hydrogène, je sais pas quoi, et je sais pas quoi, machin, ça fait de l'hydrogène chloride qui va là-dedans. Et donc là, si on va chercher un or, donc par exemple, est-ce que j'ai un iron or quelque part qui traîne? Iron, non. Alors, juste or. J'ai quoi comme or? Un certus quartz. Je sais pas si ça marche avec le certus quartz. J'ai pas de l'iron. Wow, tous les ors qu'il y a ici, mais c'est juste n'importe quoi les amis. Hein. Du silver, voilà, avec le silver ça devrait marcher. Alors ici on va regarder pourquoi c'était pas relié. C'est pas relié, hop, j'ai toujours mon configurateur sur moi et... Non, pas ça, on s'en fout. Pourtant c'est bon ça, hein. Un truc que je comprends pas. On va le laisser en grey, hein. Eject on, bah oui. Bon, on va casser ce truc là, on va le casser comme ça. Hop, et on va en remettre un. Toc. Et ça va pas se relier au crusher. Eh ben écoutez, pour quelle raison, je n'en ai pas la moindre idée. Bref, dans tous les cas, on met ça ici. Donc là il faudrait que je mette des add-ons, mais on les a pas mis, hein. Écoutez ce bruit là. Bim, et ça fait de la poudre. Cette poudre qui rentre ici. Donc ça en a fait 4. Ici dans la purification chamber, motherfuckers. Ça va les faire un par un là. Hop, regardez, il y en a un qui est parti. Ça va rentrer là-dedans. Alors là, je sais pas s'il va être éjecté ou pas du coup. Parce que c'est vrai que c'est vraiment chelou. Hein. Si c'est éjecté, c'est juste un bug d'affichage. Sinon, je ne sais pas pourquoi. Et non, il n'est pas éjecté, hein, c'est bien ce que je pensais. Alors, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est pas grave. Donc, ça passe là-dedans. Tac, 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 tac. Ça arrive là. Hop, dans l'enrichement chamber. Ça va faire ça. Après, ça va passer là-dedans. Et après, ça va arriver ici. Là, j'en ai 4 parce que j'ai déjà fait le test avec un truc de d'iron. Un iron ore. Donc là, voilà. Ne me demandez pas pourquoi ça ne va pas marcher. On n'a absolument pas la moindre idée. Hop, 2. Et voilà, le quatrième qui est arrivé. Bim. Lui, il est arrivé là-dedans. Ça va le faire cuire, la silver dust. Hop, et ça va faire un silver ingot qui va partir là-dedans. Et voilà. Et donc ça fait ça, ça quintuple. Enfin là, pour l'instant, ça quadruple hein, tous nos items. Et ben, on peut les quintupler en rajoutant encore aussi une suite un peu plus grande qui rentrerait pile poil ici je pense. Alors il faut plusieurs machines, donc encore des électrolytes séparateurs je pense, encore un chemical infuseur, encore quoi qu'on peut récupérer directement l'hydrogène chloride de là en faisant tirer un câble, bim, jusque à un autre chemical injection chamber qui va marcher avec une autre machine où il faudra mettre de la gunpowder, d'où la production aussi de cette machine de ce truc à creeper qui aurait marché uniquement pour le quintuple hors processing. Et il aurait aussi fallu, alors je vais vous montrer ce qu'il faut, ces trois machines sont merde, c'est lesquelles, c'est celle là chemical dissolution chamber, chemical washer et chemical crystalliseur qui vont d'abord ça laver, après la faire en liquide qui va la cristalliser. Ça va en faire 5 du coup. Et 5 qui vont repartir là-dedans, bim, et voilà, et ça va repartir, et du coup on aura 5 trucs. Donc ça je le ferai pas, parce qu'il n'y a pas le temps. Je suis vraiment désolé.
Moi-même, j'aurais voulu le faire, mais voilà, on n'a pas le temps, le serveur va fermer. Je reprendrai, je pense, tout ce système sur un prochain serveur, sur une saison 4 de Feed the Punk, qui aura lieu, je ne sais pas quand, mais tout ça, je vous en reparlerai dans le dernier épisode, parce que celui-là, c'est pas le dernier. Je vais faire un World Tour hein, juste après, pour l'épisode 10, qui va clôturer cette saison 3 de Feed the Punk. Voilà. Ici, j'avais commencé à faire une salle avec des liquides. Donc ici on a du comment ça s'appelle déjà, du cryothéum. Ici c'est le truc de pig là, le liquide pour faire ces trucs là-haut là. Voilà, bref. Il fallait un slime rose. Ici c'est de l'enderium, ici c'est de la force, ici c'est de la lave, ici c'est de l'eau. Et je voulais faire tout ça pour stocker un petit peu. Regardez, j'avais mis aussi un fluide storage bus. Tout relié là hein, au ME Fluid Terminal, et j'avais aussi des import et des export fluid bus, mais ça veut pas marcher avec les tanks. Je voulais mettre comme a fait Pierre, donc un truc d'open block qui marchait, un tank spécial, non pas de open block pardon, de Under IO, mais il n'existe pas, donc je peux vous le montrer. Under IO, bim, et ben regardez, il n'y a pas le tank. Il y a un Derio machin, tac 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 tac, il n'y a pas le tank. Voilà, donc malheureusement c'est la tristesse, on va pas pouvoir continuer ce truc là. Ça marchera en 1.7.10 si je vais sur un prochain serveur 1.7.10. Je voulais aller sur un serveur Down Cube, mais je suis plus sûr de vouloir y aller. Je ne sais pas encore du moment, de toute façon je suis inscrit, tout ça. Mais on verra, parce qu'il y a des gens que je voulais qu'ils viennent, comme Alichum et Frandek, avec qui je m'entends bien, avec qui on a fait cette base à deux. Et c'est vrai que de jouer à deux, c'est beaucoup mieux de jouer à un, on s'ennuie très vite, et du coup, qu'ils pouvaient pas y aller à cause de leur jeune âge, parce qu'ils sont jeunes, et qu'ils ne voulaient que des majeurs. Mais seulement, il y a quand même pas mal de mineurs qui ont eu l'autorisation de rentrer, mais pas eux, parce qu'ils sont mineurs des mineurs, vous voyez, ils ont pas 16 ans, ils ont 14 ans, vous comprenez, donc du coup, ça change beaucoup de choses. Enfin bon, je comprendrai jamais la mentalité. Moi, je pars du principe où du moment où on n'a pas eu les gens vocales, on peut pas savoir ce qu'ils valent vraiment. Je connais des gens de 12 ans qui sont aussi matures que des gars de 20 ans, quoi. Donc, faut arrêter un petit peu le favoritisme de l'âge par rapport à ça. Moi, je joue pas dans cette cour-là. Pour moi, il faut avoir les gens vocales et voir un petit peu leur expérience sur le jeu et leur mentalité avant de juger directement par l'âge. Parce que je connais des gens comme Luchux hein, qui est mineur, comme Alichum, lui qui a 14 ans, qui est aussi encore plus mineur, mais qui sont beaucoup plus matures que certaines personnes qui ont 20, 21, voire 22 ans. Hein. Donc c'est vraiment très subjectif et on peut pas vraiment juger par rapport à ça. Donc pour moi, tant qu'il n'y a pas un test vocal, à la limite, il faudrait même faire un test psychologique. Enfin voilà, pour moi, on peut pas vraiment juger les gens sur leur âge comme ça. Et donc vu qu'ils n'ont pas pu rejoindre le serveur, ça m'embête un petit peu parce que je voulais pas rejouer tout seul. Et donc voilà. Donc ici c'est tout ce qu'on a fait depuis l'épisode 8. Donc ça, agrandissement de ça là-bas, le laser drill et le quadruple hors processing hein, qui pour l'instant n'est pas qu'un tuple. Donc voilà, et ben je pense qu'on va se laisser ici hein, du coup. Alors est-ce que niveau du réacteur il y a quelque chose qui a changé? Pas vraiment. Ici il n'y a plus rien qui passe, et ici oh my god, je comprends, mais est-ce vraiment nécessaire? Alors ça vous voyez, je préfère pas descendre en bas. Vraiment pas. Je ne sais pas combien de milliers d'items il doit y avoir. Mais... Alléluia mes frères. Mais ici ça arrive beaucoup trop vite en fait, c'est ça? Bon, effectivement, ça arrive très vite. La production Magical Crops est juste abusive. Bon, on va se laisser ici pour cet épisode qui sera un peu plus court. On se retrouve pour l'épisode 10 très bientôt, j'essaierai de publier pas longtemps après cet épisode. Comme ça on va faire un petit world de tout, pour voir où est-ce que les gens en sont, mais regardez. Voilà, je suis tout seul, ça fait un bon moment que je suis tout seul sur ce serveur. Le truc ne vient plus, que plus personne ne vient, et donc c'est la folie. Mais attendez, mais...
Mais c'est n'importe nawak. Mais il se passe quoi ici? Pourquoi dans le bleu? Mais oui, mais... Mais ça arrive trop vite en fait, c'est ça? Ou c'est juste un bug visuel? Non, ici c'est pas visuel. Je récupère tous les items. Pourtant tout est branché là. Mais what? On va bugger. C'est la fin de tous les temps. Et voilà, j'ai fait crasher le serveur. Bref, c'était Narco. On se retrouve très bientôt pour le World Tour et l'épisode final de cette saison 3 de Feed The Punk. C'était Narco. À très bientôt tout le monde. Et c'est...